Arrêtez-vous. Ah, enfin. Enfin de retour. Oh, sacré froid. J'ai les pieds gelés. Mais oui, du calme, je suis là. Voilà pour vous, mes petites. Bon, me voilà tranquille jusqu'à l'année prochaine. Ah. Voilà. Ah. Ah, ça va mieux. Des vrais glaçons, ces pieds sacrés, non. Ah, oh, c'est bon. Oh, je sais ce que vous allez dire. De quoi se plaint-il, ce vieux grognon? Il se la coule douce. C'est la belle vie. Un seul jour de travail par an, que fait-il dans le reste du temps? Eh bien, je vais vous dire un secret. Pour commencer, il faut que je m'occupe de ces sacrées reines tous les jours. Après, il y a le jardin. Mon petit carré de légumes, ça prend un temps fou. Sans compter le ménage, les courses. Alors, à vrai dire, l'année dernière, j'en avais sacrément assez de tout ça. Alors, j'ai décidé de faire autre chose. De sacrées vacances, voilà ce qu'il me faut, oui. Mais où? En Italie. En Grèce. Ou l'Irlande, peut-être. En Hollande. Non, non, plutôt le Canada, à moins que... l'Allemagne, la Tunisie, le Maroc, la Suisse ou la France. Oui, bien sûr, la France, le pays de la culture et de la civilisation. Les bons petits plats, le vin, le soleil, le camping. Non, peut-être pas. Il me vient une sacrée bonne idée. Je suis un génie. Voyons, quelques vis. 10 planches. Bah oui, c'est bon. Avec un peu de bricolage par-ci, par-là. Ça devrait pas me prendre plus de... voyons... 100 clous qui se tordent dans tous les sens. Oh, oh, oh. Bonjour. Aujourd'hui, mes nous amis, sommes, nous êtes, des verbes. Sont, nous avons, vous avez, 2, 3. Le son dit. La plume de ma tante. Tu sais ce que j'en fais, moi, de la sacrée plume de ta tante, ma petite, hein? Dans la boîte des crayons. Ouf, ça y est, c'est fini. Oh, je suis sacrément content de moi. Impeccable, n'est-ce pas? Et toi, attention à la peinture. Bon, et maintenant, voyons un peu. Chaussettes, tricot, veste, chemise, pantalon, caleçon, chapeau, thé, sucre, chocolat, sel, poivre, sauce à la menthe, ketchup, haricot, sec, maillot de bain, guide de voyage, dictionnaire. Tout va bien. Allons, mes bras, venez, je vais vous conduire au chenil. Ah, sacrés animaux. La belle, la jolie France. Oh, quel pays merveilleux, sacré bleu. Bon, si j'allais faire quelques emplettes, je voudrais pas qu'on me prenne pour un de ces sacrés touristes. Oh,
Ah non, ça non, ça je voudrais pas qu'on me prenne pour un de ces sacrés touristes. Ah, voilà qui est mieux, non? Ben, je me ferai moins remarquer comme ça. Tout l'air d'un vrai Français, n'est-ce pas? Monsieur a choisi. Mon cher ami, eh bien, je crois que je vais goûter un peu à tous les plats. Oh, pas de frites, garçon? Non, non, des frites. Non, mais vous plaisantez, monsieur, franchement. Des frites, non, mais monsieur... Vous... Ah, mais t'as vu qu'on ne sert pas de frites ici. Bon, un peu de ketchup, s'il vous plaît. Non, mais... Oh, Seigneur, ces Anglais, mais... Oh. De la sauce à la menthe, alors. Non, monsieur. Ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Il faut faire avec les coutumes du pays. Oh. Monsieur. Si. Monsieur, voici café, cognac et l'addition. Fichtre. Oh, bah, c'est sacrément cher. Je veux dire, ça bouche. Mon Dieu. Où est passé mon bicarbonate de soude et les comprimés d'alka machin? Oh là là. Fichez-moi le camp, sacré maudite vache! Oh, je ferais mieux d'aller dans un vrai terrain de camping, avec de vrais cabinets surtout. Fichtre. Ça doit être à cause de l'eau. Enfin, ça ira mieux après un bon petit déjeuner. À qui sont-ils? Et à ce vieux bonhomme qui ressemble au Père Noël. Père Noël. Il est temps de déménager. Ah. Voyons. Un endroit où l'eau est pure. L'Écosse. Ben, l'Écosse, bien sûr. L'Écosse où l'eau est pure. Et la preuve, ils en mettent dans leur whisky. Fichtre, quel drôle d'endroit. Salut, vieux. Sacré froid, n'est-ce pas? Une petite goutte de quelque chose me réchaufferait un peu. La tienne. La tienne. Oh. Bonne vôtre. Où exactement ce qu'il me faut. Et moi, c'est le Père Noël. Et puis quoi encore? Il est grand temps de partir d'ici, j'ai l'impression. Mais ma parole, il ne pleut plus. C'est glacé. Au secours. Un requin. Oh, la pluie. Le froid. Les requins. Oh, sacré fichu pays. Bon, bah, ça suffit, j'en ai assez. Essayons de trouver un coin où il fait chaud. Bien sûr, Las Vegas. Oh, j'ai sacrément envie de voir ça. Bonne journée, monsieur. Jolie champagne, ma foi. Oh.
Un bain pour commencer la journée. Pourvu que l'eau ne soit pas trop froide. Et maintenant, allons casser la croûte. Simplement bon. Le dessert n'a pas l'air mal non plus. Faut que je me fasse chic pour ce soir. Me voici beau comme un prince. Mesdames et messieurs, les jeux sont faits. Tout sur le 13. Rien ne va plus. Tu as sacrément raison, mon vieux. Je suis fauché comme les blés. Je suis sacrément trop vieux pour tout ça. Bon, allez, où est ton lit? Bon, attention, me voilà. Oh. Eh non, regarde ce gros bonhomme, c'est le Père Noël. Vaut mieux filer d'ici en vitesse. Fiche-toi. De toute façon, j'ai presque plus de sous. Eh mec, tu serais pas le Père Noël, des fois? Fiche, décidément, il est sacrément temps de rentrer au bercail. Oh, enfin chez soi. Oh, regardez-moi ce sacré jardin. Et ce sacré chien dent. Ma tondeuse n'arrivera jamais à passer là-dedans. Ouf, c'est fini maintenant. C'est sacrément bon de se retrouver à la maison. Allons récupérer nos petits amis. Allons, allons, du calme. Attention à ma barbe, sacré nom d'une pipe. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ce sacré courrier commence à arriver. Je peux à peine ouvrir cette sacrée bonne. Ça démarre de plus en plus tôt chaque année. Ah, mieux vaut s'y mettre tout de suite. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'ils vont pas chercher? Father Christmas, Saint-Nicolas, Santa Claus, tous ces noms pour ce sacré bon vieux Père Noël. Enfin, c'est du pari au même tout ça. Je pense à où, mon vieux? Bon, alors, ça fait 200 ours en peluche. Non, 201. Ah non, celui-là, c'est un panda qu'il veut. Oh, et ces sacrés cubes, ça pèse une tonne. Bon, ben, il faudra que je vérifie tout ça. Et celle-là, qui veut un poney, comment veut-elle que je la mette sur mon traîneau? Enfin, on verra ça plus tard. Bon, je vais me garer un peu plus loin, d'accord? Sacré bon sang. Sacré bon sang. Mais quand il y en a plus, il y en a encore.
Vous allez à un bal costumé, monsieur? Bah, si seulement ça pouvait être le cas. Ah, sacré nom d'une pipe. Voilà. Oh, 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 va-t'en de là, toi. Oh là là. Et voilà, on y est. Sacré Noël. Oh. Et en plus, il a neigé pendant la nuit. Petit. En raison des courants froids venant de l'est, sacré vent d'est, sacré neige. Ça pouvait pas mieux tomber. Ah, vivement l'été, c'est moi qui vous le dis. Ah! Allez, allez, allez. Sage, sage. Hé, Mireille, hé! Cette fois, c'est parti, ça me suit. Taïo! Pour toutes les petites filles, tous les petits garçons, j'ai des milliers de jouets, de rêves et de bonbons. Ma hotte, cette année, est pleine à déborder. Car il y a de plus en plus d'enfants à contenter. Pas une seconde à perdre. Il y a du chemin à faire. Et il fait mauvais temps au large de la terre. J'ai le bout du nez gelé et une faim de loup. Mais j'ai chaud dans le cœur de tous ces rendez-vous. En route, c'est le grand jour, nous voilà repartis pour un sacré joyeux Noël. Je grimpe le long des toits, des paquets pleins les bras. Et faut pas rester coincé au fond de la cheminée. Est-ce moi qui ai grossi ou elle qui a rétréci? J'oserais-il que je suis tout aplati? Je rentre dans les maisons pendant qu'on fait dodo. Je dépose les cadeaux sans un bruit, sans un mot. Les enfants sont tous sages, mais je sais que demain, il y aura du tapage autour du grand sapin. Voilà reparti pour un sacré joyeux Noël. Ah, oh, antenne de malheur, antenne de malheur. Et maintenant, où je vais passer? Bonsoir. Les WC sont au premier étage. Oh, pas très original comme déguisement, vous trouvez pas? Toutes les cloches qui sonnent, les gens qui réveillonnent. Oh, ça me donne mal à la tête. Continuez la fête. Moi, je suis fatigué, fini les cotillons. Je rentre à la maison, piquer un roupillon. C'est la fin d'un grand jour sur le chemin du retour. Un sacré joyeux Noël. C'est la fin d'un grand jour sur le chemin du retour. Un sacré joyeux Noël. Allez, en avant, mes reines. Et en attendant l'année prochaine, pour un sacré joyeux Noël.
pense bien, il n'y avait même pas de cheminée. Enfin, allons-y. J'arrive, les amis. J'arrive un peu en retard, mais bon, hein. Je suis sacrément content de te revoir, toi et ton bonhomme de neige. Oh, voilà qui flanque tout par terre. Oh mon Dieu. Oh, ça m'est déjà arrivé de me tromper de cadeau, mais de là à en oublier, ben, y a pas 36 solutions. En avant, Meryl! Il va falloir en mettre un coup, sacrebleu! Hein? Au revoir! Allez, vu! À toute vitesse! Oh, ça va, le drapeau flotte, la reine est chez elle. Salut, vieux! Encore au boulot? Ça y est, c'est fini, Dieu merci. Ah. On ferait mieux de filer en vitesse. Oh. Encore un peu de courage, mes petits. On est presque arrivés. Et voilà. Maintenant, vous savez tout, sacrebleu. La prochaine fois, j'espère que vous ne râlerez pas trop après moi quand vous regarderez dans vos sacrés souliers. Personne n'est parfait. Pas vrai? Oh. Oh, j'ai hâte de me mettre au lit, sapristi. Plus que ce sacré poulet à faire cuire et c'est bon. Voilà. Alors que j'y suis, je vais aussi monter les miens, comme ça, ça sera fait. De toute façon, je sais déjà ce que c'est, alors... Oh, j'ai encore droit à cette sacrée cravate de la part de tante Elsie, toujours aussi moche. Sans compter les horribles chaussettes de la tante Violette. Ah, mais ça... C'est déjà beaucoup plus intéressant, sacré cher oncle Bob. Ah, me voilà tranquille jusqu'à l'année prochaine. En fait, j'oubliais, sacré joyeux Noël à vous aussi. Toute la nuit, et quand les enfants se réveillent, t'es déjà endormi. Pauvre vieux Père Noël,
tu voyages par tous les temps. Que tu grognes ou que tu grommelles, nous t'aimons tendrement. Cher vieux Père Noël, les garçons et les filles de tous les coins du monde te disent un sacré de la part du Père Noël et de ses reines, à l'année prochaine, pour un sacré joyeux. Joyeux Noël!